Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. J'espère que vous allez bien. J'ai deux, trois petites choses à vous dire. D'abord, désolée pour hier, il n'y a pas eu de vidéo parce que j'ai eu un petit souci de santé qui n'est pas tout à fait réglé. Et à ce propos, je tiens à remercier mille fois la communauté de Nacrium qui m'a soutenue, qui m'a envoyé des messages, qui s'est abonnée. Voilà, je tenais vraiment à vous dire du fond du cœur merci. Ça m'a énormément touchée et vous imaginez même pas à quel point. Voilà, alors pour ceux qui sont habitués à cette chaîne, j'ai remis les sons parce qu'on me les a demandés. Ça sera un tirage un petit peu plus... Voilà, ça va encore changer, mais voilà. J'ai donc remis des sons, un grave, un médium, un aigu. Mon voisin fait des travaux, donc j'espère que vous pourrez suivre la vidéo sans trop de désagréments. Et chaque tirage se rapporte à ses sons. Donc le son qui va vibrer en vous, vous choisissez le tirage qui s'y rapporte. Voilà, j'espère que j'ai été claire parce que c'est un peu compliqué. Voilà, et bien écoutez, on est parti. Son grave, médium, aigu. Allez, les sons graves, qu'est-ce qu'on nous demande? La première. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Alors ce mercredi, la première pensée qu'il va falloir garder à l'esprit, c'est la pensée positive, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Essayez de vous accrocher ce mercredi à quelque chose de positif, hein. C'est vraiment ce qu'on vous demande. Ensuite, au quotidien, on vous dit c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Alors on vous dit de faire vos provisions en fait, hein, d'économiser parce qu'il y a quelque chose qui va découler de ces économies en fait. Aujourd'hui, évitez de vous laisser tenter par les achats impulsifs, compulsifs et choses comme ça. Réfléchissez-vous, demandez-vous vraiment si vous en avez besoin. Gardez à l'esprit cette pensée positive de se dire « Bon, attends, j'ai vraiment envie de telle chose. Si j'économise, dans quelques temps, je vais pouvoir l'avoir. » Ça, c'est la pensée positive. Hein, d'accord? Donc, on vous demande de faire comme ce petit écureuil, de mettre vos noisettes de côté. Ensuite, ah ben voilà, vous voyez, c'est étonnant. Hein. À la suite, on a une stratégie. Moi, je pense qu'il faut vraiment mettre en place une stratégie pour économiser parce qu'il y a quelque chose qui va découler. Parce que vous voyez, cette carte est là entourée de... On a la clé ici. Grâce à la stratégie, vous allez trouver la clé. Donc, vous allez pouvoir l'acheter ce que vous voulez. Mais si vous dépensez dans des petites choses, dans des petites bricoles ce mercredi et les jours à venir, hein, bien sûr... la clé s'éloignera de plus en plus, hein. Et on a la plume qui est un symbole de la protection des anges, hein. Donc ça c'est quand même très bien, hein. Tant pis si vous pouvez pas vous acheter je sais pas le truc qui vous la petite chose qui vous fait plaisir, parce que derrière il y a la grosse chose qui va vous faire plaisir parce que vous allez mettre en place une stratégie. D'ailleurs, grâce à ce tirage, vous allez y penser et vous allez mettre en place une stratégie. Le fruit divin, par mon travail, pour m'améliorer et me libérer de toute impureté, mes racines se renforcent. Mon intellect est lumière, mon cœur est chaleur et mon âme est force. Je me nourris de positif, tiens donc, et du soleil divin. Les fruits que je porte sont à l'image de ma lumière intérieure. C'est étonnant, hein, parce qu'on vous parle quand même de positif. Je me nourris de positif, or c'était la première carte. Et on vous parle de fruits, et en fait, nos petites noisettes, hein, voilà, c'est quand même très étonnant. Et on est assez dans les mêmes tons de couleurs, hein, jaune, orangé, tout ce tirage, il est quand même très basé sur ces couleurs-là. Donc, c'est peut-être une couleur que vous devriez porter ce mercredi. Et ensuite, rien à prouver. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant,
ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? Et je pense que demain soir, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez vous dire, bah oui, j'aurais pu me faire ci, acheter ça, et je ne l'ai pas fait. Donc voilà, félicitez-vous hein, ce mercredi. On vous demande quand même d'économiser, je pense que c'est parce qu'il y a un projet qui va être où il va être important d'avoir un petit apport. Donc est-ce que c'est pour acheter une maison, est-ce que c'est pour acheter une voiture, enfin, toujours est-il, ou est-ce que tout simplement parce que vous savez que la rentrée risque d'être un peu compliquée, mais on vous demande d'y penser hein, ce mercredi pour les sons graves. Allez, hop, posez votre question. Hop, si je vous les mets à l'endroit, ça va pas bien. Allez, c'est parti. Gauche, droite. Non pour la gauche. Oui pour la droite, par conséquent. Voilà. Écoutez, j'espère que vous allez penser à ça demain. Allez, je passe au son médium. On nous dit, miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Bon, c'est un joli message, hein. Si toutefois vous avez des petits soucis, croyez au miracle. On vous dit quand même que les forces de l'amour sont en action et que tout va s'arranger. D'accord, ce tirage, il pourrait presque être pour moi. Et en fait, voilà, on vous affirme hein, que le ciel va s'éclaircir et que même s'il y a des situations un peu compliquées, si on reste dans l'amour des autres, on accepte aussi l'amour des autres parce que ils nous apportent cette force, hein, c'est les autres. Je fais un petit coucou à la communauté de Nacrium, là, pour le coup. On vous dit que tout va s'arranger, ok? Parce qu'ils m'ont apporté beaucoup hier. Réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention à ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Voyez cette femme avec le doigt sur sa bouche. Alors, moi, ça me parle de plusieurs choses hein, quand même. Peut-être que s'il y a un problème actuellement, d'accord ? On vous dit que ça va s'arranger. N'ayez pas des propos trop durs ou des propos que vous risqueriez de regretter par la suite. Parce que parfois dans la colère, et on le sait, la colère est mauvaise conseillère. Parfois dans la colère, nos mots s'emportent et prennent une tournure qu'on n'aurait pas voulu. Et ils sont parfois un peu violents. Et ça me parle d'une deuxième chose. Si vous avez un projet... j'ai dit ça hier dans un tirage particulier, c'était pas hier, c'était avant-hier. Si vous avez un projet, travaillez à 90% et taisez et ne parlez que de 10% de votre projet. Gardez-en 90% secret. Voilà, ça me parle de ça aussi. Donc je sais à qui ça peut s'adresser, donc j'espère que ce tirage-là lui parlera. Réfléchissez avant de vous exprimer. Donc soit ne vous mettez pas en colère et ne laissez pas vos mots sortir de votre bouche sans y avoir réfléchi. Et deuxième possibilité, c'est si vous avez un projet, évitez de trop parler. D'accord ? L'ange de la force, ben tiens donc, on vous parle, c'est hallucinant quand même, hein. Les forces de l'amour sont en action. Et là, on vous dit ange de la force. Bon, ben voilà, vous avez tout. Vous voyez cet ange-là qui a le lion qui est devant, mais il n'y a aucune animosité. Il y a juste la force du lion, il y a juste la puissance de cet animal qui est le roi quand même des animaux. Hein. Donc, ça veut dire que vous êtes capable de dompter, d'accord ? De dompter vos émotions, de dompter vos paroles, de dompter ces émotions qui remontent en vous. Bon, c'est un joli tirage, hein. Actif, je suis constamment dans l'action divine. Je suis conscient de mes pensées et en contact avec mes forces positives. On vous reparle de force pour la troisième fois, hein. C'est assez
impressionnant. Je suis à l'écoute de mon cœur, dans mon désir de voir la lumière se manifester, mes découvertes intérieures me servent à faire face aux tests que l'univers m'envoie pour grandir. Alors c'est rigolo pour moi, le test hein, qu'on vous envoie pour grandir, c'est celui-ci. Hein. Réfléchissez avant de parler ce mercredi hein, et ne parlez pas de vos projets à des personnes qui ne seraient pas réceptives ou en tout cas qui risqueraient de vous faire douter. D'accord ? Soyez dans l'action, d'accord ? Mais l'action, encore une fois, hein, contrôlée par votre force. La force de votre mental, la force de votre sagesse et ainsi de suite. Hein. C'est encore une fois un très très beau tirage. Syndrome de la sauveuse. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux. Juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super-héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. Vous avez cette force de vouloir aider beaucoup les autres. D'accord ? Mais là, on vous dit quand même qu'il faut que vous vous occupiez de vous, de votre projet, sans trop en divulguer, sans trop en dire. D'accord ? Ça pourrait se retourner contre vous, en fait. Hein, et garder en vous la force de peser le pour, le contre, de peser les mots que vous allez dire. Allez, je vous propose de poser votre question. Pour la gauche et non pour la droite. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un oui et d'un non pour cette journée uniquement. D'accord ? Ça veut dire le non, ça veut dire c'est pas aujourd'hui, mais ça peut être demain. D'accord ? Allez, mes petits sons aigus. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà, alors ça me parle particulièrement. Il y a une situation probablement compliquée pour vous, les sons aigus en ce moment. Et en fait, vous l'envisagez comme insurmontable. Alors qu'en fait, si vous posez tout sur papier et que vous mettez les étapes précisément à passer pour arriver à votre objectif, vous allez voir que de ce fait, la palette de possibilités va s'ouvrir. Ce sera plus blanc ou noir, mais il y aura un arc-en-ciel de couleurs qui va vous aider à avancer pas à pas. Et ça me parle particulièrement. Ah bah tiens, votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Voyez, à force de voir cette situation comme insurmontable, votre mental, il n'en peut plus là. Hein. Il s'asphyxie. Donc ce mercredi, on vous demande, alors soit vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez aussi vous dire, bon, je vais aller prendre un peu l'air, ça va me faire du bien. Et surtout, d'essayer de mettre en ordre tout cela. Hein. Arrêtez de tourner en boucle et essayez, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, d'écrire les étapes. Vous allez voir que quand on les écrit, ça va déjà, c'est déjà beaucoup plus clair en fait. Oh joli, ben vous avez la victoire hein, ce mercredi si vous faites tout ça. Vous allez réussir. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Je vous l'approche encore un peu. Mais elle est magnifique. Vous voyez, c'est entouré de lumière, d'or. Et on voit cette femme, elle est apaisée. Elle est vraiment apaisée. On a la couronne de laurier. On a vraiment que des belles choses. Donc, vous voyez, et on est encore dans les mêmes couleurs. C'est quand même assez drôle. Hein. Honnêtement, les sons aigus, travaillez vraiment dès le matin sur votre mental pour mettre votre mental au repos, pour classifier les priorités de façon à ce que vous arriviez à cette victoire. Hein.
Et voilà, et ça vous libère. Je me libère de toute noirceur. Je transforme le ressentiment, la haine et la culpabilité en prenant conscience que ce sont les blessures intérieures qui créent chez moi le doute. Je chasse toute pensée négative. Je retrouve la paix en mon cœur et je découvre l'être de lumière qui vit en moi. Mais vous allez y arriver puisqu'on a la victoire, hein. Je retrouve la paix en mon cœur et je découvre l'être de lumière. Et on l'a cette lumière ici, et on l'a ici aussi. Donc c'est plutôt encourageant, hein. Si vous commencez dès le matin à vous dire non, non, je laisse pas mon mental prendre le dessus, vous allez enfin vous libérer de tout ça, hein. Et ça va se mettre en place. Et on saute le pas. Hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels. Oh, c'est fou comme c'est cohérent ce tirage. Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. On vous reparle d'aventure, c'est hallucinant. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go! Et là, elle dit, c'est parti mon kiki. Bah écoutez, voilà, il est tellement cohérent ce tirage aussi. Ah, j'adore, vraiment, je suis ravie. Allez, posez vos questions. On fera gauche et droite comme d'habitude. Gauche, droite. Oui pour la gauche, non pour la droite. Voilà mes petits amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Désolée pour la non-vidéo d'hier, mais je ne suis pas Wonder Woman. Voilà. Et merci encore mille fois à la communauté de Nacrium qui m'a vraiment soutenue. Je citerai Captain Groschat, 1000 abonnés sans contenu, je crois que ça s'appelle sa chaîne aussi. 10 000 abonnés, pardon. Voilà. Merci à tous et vraiment, ça me touche énormément. Gros bisous, je vous aime. Gratitude infinie.